Ce qui est intéressant dans ce tableau, de façon figurée, un œil qu'on voit de façon explicite, et puis le visage, le reste du visage qui disparaît, qui est pratiquement masqué. Donc, je préfère que ma pratique se situe un peu dans l'entre-deux. Voilà. Un côté qui soit accessible, donc j'essaie d'aider le spectateur à percevoir de façon explicite certains éléments de son quotidien. Maintenant, il y a le reste de l'image qui est dans l'abstraction. Et je veux que ma pratique soit toujours de cette façon située entre l'abstrait et le figuratif. En fait, quand je fais un tableau figuratif, sur l'instant, je suis content parce que c'est une performance. J'ai réussi à rendre la réalité, mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, je commence à m'ennuyer parce que cette réalité ne change pas. Quand je fais un tableau abstrait, il devient hermétique, il devient opaque et pas accessible pour moi, donc il m'ennuie. Donc je préfère être entre l'abstrait et la figuration. Je préfère me situer dans l'entre-deux pour essayer de nourrir, continuer le rêve et de nourrir le rêve. Et permettre à ceux qui regardent le tableau de pouvoir également développer leur imaginaire à travers les quelques éléments que je porte à l'œil. En principe, pour un homme normal, on a deux yeux. Mais quand on a un troisième œil, ça veut dire qu'on a une qualité en plus. Donc on commence à aller au-delà de la vision, donc à être visionnaire. Aller au pictogramme sont des symboles dans l'imaginaire des Africains. C'est des symboles qui veulent dire, ce sont des messages. Mais comme nous, en notre temps, nous ne sommes pas capables de les interpréter, donc on les prend sur un plan décoratif, on les utilise de façon décorative. Simplement, alors que c'est des messages en fait. Quand on prend par exemple ce symbole là, qui a la forme d'un lézard, paraît-il que dans l'Afrique traditionnelle, quand une femme était en grossesse, disait ma progéniture dès sa naissance, il faudrait qu'il soit agile comme cet animal, comme un lézard, c'est-à-dire quand on le met au pied de l'arbre, on le trouve automatiquement au sommet de l'arbre. Et les gens faisaient cette analogie par rapport au crapaud. Le crapaud, si tu le mets au pied de l'arbre, le lendemain, il est fort possible que tu le trouves à la même place. Donc, ça dit quoi? Ça dit que les femmes ou les parents prédisaient ou du moins voulaient la réussite pour tout. Donc c'était cette analogie. Et ce symbole des réussites, on le trouve souvent dans plusieurs de mes tableaux, que j'appelle sagesse. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est le travail, c'est l'imaginaire en fait. C'est l'imaginaire parce que je veux que chacun arrive. Je ne vais pas essayer d'imposer comme le diktat de l'artiste. Je veux que chacun arrive à lire selon sa propre culture, selon son bagage intellectuel, à lire le tableau. Ça fait que certains par endroit voient un oiseau, d'autres peuvent voir des formes autres que l'oiseau. Moi j'ai appelé l'envol, j'essaie d'aiguiller par rapport à moi ce que j'ai ressenti sur le coup, j'ai appelé l'envol. Pourquoi? Parce que c'était la promesse, c'était le début de ma carrière, si je peux appeler ça comme ça, de mes expositions. Donc c'est la promesse, est-ce que ce sera l'envol, et l'envol de façon croissante, ou l'envol ou la chute. Donc c'était en même temps comme une espèce d'équation ou d'interrogation. Donc en regardant, voient dans cette œuvre qui est presque abstraite, mais qui est à la fois abstraite et figurée. Et ce qui m'intéresse, c'est essayer de permettre aux gens de rêver. Et ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est la part du rêve. Permettre aux gens de s'approprier l'œuvre et de pouvoir créer leur propre œuvre à partir de leur imaginaire. Donc moi, je ne fais qu'embrayer en fait. Je ne fais que donner quelques arguments pour que chacun puisse développer son imaginaire sans aucun dictat.